Rebonsoir, de nouveau sur TV et Radio de Ville. Il est 22h moins le quart et nous sommes en direct sur TV et Radio de Ville. Bienvenue dans votre émission. Il est minuit. Il est minuit pourquoi? Parce que les Écritures nous disent que à minuit, dans Matthieu 25, voilà, un cri va se faire entendre annonçant le retour du Machia. Et ce cri se fait entendre ici et là, avec des hommes et des femmes, des chrétiens que le Seigneur a appelés, qui parlent, qui annoncent l'Évangile et qui disent au monde entier que Dieu est amour, que Dieu veut nous sauver. Parce que bien sûr, il y a une vie après la mort. Et nous croyons que Jésus est vraiment celui qui est venu pour nous sauver. Alors, nous voulons vous donner l'opportunité ce soir de nous appeler pour éventuellement nous poser toutes vos questions. Donc, nous avons juste 20 minutes. Voilà, nous sommes au 01 64 98 90 45. 01 64 98 90 45. Voilà, donc si vous avez des problèmes, des questions doctrinales, des questions d'ordre doctrinal à nous poser, ben vous pouvez, si vous le souhaitez, nous appeler. Voilà, mes amis, que Dieu soit béni. Merci en tout cas pour vos prières. Merci à tous ces hommes et ces femmes qui se lèvent dans les nations pour prendre position pour la vérité, pour dire haut et fort qu'ils sont chrétiens. Voilà. Et nous sommes fiers d'être chrétiens parce que c'est une grâce, parce que c'est un honneur que Dieu nous fait de le connaître. Et nous n'avons pas honte de le dire. Voilà. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, mes amis, il y a quelques missions qui sont en projet aux États-Unis, au Canada et aussi en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Et on vous donnera tous les détails dans les prochains jours. Voilà, je crois que ce soir, il n'y a pas beaucoup de questions. Gloire à Dieu. Alors, l'équipe technique va nous mettre un petit un verset là sur l'écran, si c'est possible. Dans Luc chapitre 1er. Ah, nous avons quelqu'un en ligne. Gloire à Dieu. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui. En fait, moi j'avais une question, c'était par rapport à l'origine du mot juif. D'accord. Allô? L'origine du mot, du nom de juif. Voilà, c'est ça, enfin de. Parce que enfin, je pense que du coup, Dieu n'a pas créé la religion à proprement dite juive. Mais le mot juif, d'où, à partir de quel moment l'homme a décidé, enfin pas a décidé, mais que de se dire qu'il était juif, quoi, finalement. Ok. En fait, est-ce que vous pouvez vous éloigner des enfants, si c'est possible? Allô? Ok. Donc, le nom de Juif vient tout simplement du nom de Judas. Judas, qui a, vous savez, en 587-86, il y a eu une grande déportation des Juifs vivant en Juda, dont la capitale était Jérusalem, et ce qu'on appelle aussi le royaume du Sud, ce qu'on appelait aussi à l'époque le royaume du Sud, car le royaume du Nord, c'était Israël, dont la capitale était la Samarie. Alors, dans le royaume du Sud, donc Juda, dont la capitale était Jérusalem, il y a eu en 587 et 86
une grande déportation orchestrée par le roi babylonien Nabucodonosor avec sa grande armée. Et il va déporter les juifs, c'est-à-dire les judéens, Juda, tout simplement, à Babylone. Et ensuite, 70 ans après, ces juifs, ces hébreux, ces judéens, les gens de Juda, les enfants de Juda, vont revenir de l'exil pour reconstruire les murailles et avec le temple. Et là, nous avons des personnages comme Néhémie, Esdras, Zorobabel, tout ça, et, avec des prophètes comme Agé et Zacharie. Donc, lorsqu'ils sont revenus de l'exil, on a commencé, c'est là qu'on a commencé à les appeler les Juifs. Mais ça, tout ça, c'était après Jésus-Christ. Ça, c'était avant Jésus-Christ. Nous sommes en 587-86 avant Jésus-Christ, donc au 6e siècle avant Jésus-Christ. Il va y avoir une déportation. Et 70 ans après, les Juifs reviennent de l'exil, n'est-ce pas ? Avec Zorobabel, avec Néhémie, toujours avant Jésus-Christ. Voilà. Et il va y avoir un décret qui va être signé par le roi Artaxerxès, et précisément en 445. En 445, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, pour la reconstruction du temple de Jérusalem. Et c'est là, quand ils sont revenus de l'exil, qu'on a commencé à les appeler les Juifs. Voilà. Déjà, même à l'époque d'Esther aussi, hein, à l'époque d'Esther aussi, et on commençait déjà à les appeler juifs. Donc Esther a vécu, bien sûr, chez les Chaldéens. Elle était devenue reine. Voilà, chez les Perses, tout ça, les Mèdes, les Perses, tout ça. D'accord. Donc en fait, c'est l'homme qui a décidé qu'il devait être juif, quoi. Enfin, qui s'est donné le nom juif, quoi. C'est pas Dieu, ouais. À proprement dit, qui a dit. Non, pas du tout. Ça, c'est les hommes qui ont commencé à les appeler juifs. Et pour les identifier aux habitants de Juda. Et d'accord. Ensuite, avec le temps, juif est devenu, un nom générique pour parler des descendants d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Ok. C'est-à-dire toutes les tribus confondues. Voilà. Ouais. Mais donc, on peut pas dire qu'Abraham était juif. Non, Abraham n'était pas juif, pas du tout. Isaac n'était pas juif, Jacob n'était pas juif. Et dans le sens où juif a un rapport avec Judas, Judée, n'est-ce pas, la Judée et les habitants de Juda. Voilà. Maintenant, juif est devenu un nom générique, un nom commun, oui. Appliqué à tous les enfants d'Abraham, et qu'ils soient croyants ou pas. C'est pour cela qu'on parle des juifs orthodoxes, des juifs ultra-orthodoxes et des juifs athées. D'accord. Alors qu'à la base, ce sont des hébreux, hein, des hébreux ou encore des israélites, parce que Israël et leur nation, cette terre que le Seigneur a donnée à leurs ancêtres, notamment à leurs ancêtres Abraham et Jacob, Abraham, Isaac et Jacob. Ok. Très bien. Merci pour cet éclairage. Et puis plus loin, Paul, pardon, nous dira dans Romains, chapitre 2, par exemple, au verset 28, il dit « Car le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. » La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Et plus tard, bien sûr, juif signifiait celui qui est qui croyait à la religion mosaïque, en parlant exclusivement de descendants d'Abraham, bien sûr. Et là, ben, il mettait beaucoup plus à l'époque du premier siècle. Hein, il mettait beaucoup plus l'accent sur les apparences. Hein, et là, Paul dit non, le juif véritable, c'est celui qui a le cœur transformé. Et c'est ce que Moïse aussi enseignait, d'ailleurs. Oui, quand vous dites le juif véritable, c'est le,
Jérusalem, quoi, celui qui est béni de Dieu, quoi, en fait, quoi. Oui, on peut le dire. Parce que, bon, c'est comme ça. On entend souvent que dire que le peuple juif, c'est le peuple élu de Dieu, mais le peuple juif, c'est le peuple. C'est le peuple juif, c'est le comme vous dites, c'est le peuple qui est circoncis de cœur. Seul celui-là peut se dire qu'il est juif de Dieu, qu'il est réellement circoncis. Effectivement, parce que simplement dire que je suis juif, bon bah je suis juif, je suis élu de Dieu. C'est plus dans l'intérieur, comme vous dites, dans l'intimité, dans la circoncision intérieure, quoi, finalement. Effectivement, on peut dire sur le plan charnel, par rapport à la nationalité, par rapport à la citoyenneté. Un juif, c'est quelqu'un qui, bien sûr, qui est descendant, d'Abraham, qui d'Isaac, de Jacob, qui est citoyen d'Israël. Et celui qui est le même Dieu, le seul et l'unique. Sur le plan charnel, sur le plan, bien sûr, spirituel, selon Moïse, le juif, c'est celui qui, après, bien sûr, le retour de l'exil, hein, ce que je disais tout à l'heure, le juif, c'est celui qui habitait Juda, qui était descendant de Juda, la tribu de Juda, et par la suite, le juif, c'est celui qui suivait les ordonnances, mosaïques, qui avait les apparences, ça selon les pharisiens, qui suivaient la Torah selon les hommes, qui suivaient les coutumes des hommes établies par les pharisiens, par les scribes, par leurs pères. Et Paul nous fait comprendre qu'aujourd'hui, le juif, selon la loi de l'esprit de Christ, le juif c'est celui qui l'est au niveau du cœur, mais cela n'exclut pas les autres juifs, c'est-à-dire les juifs biologiques naturels qui eux constituent les descendants physiques d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. D'accord. C'est-à-dire l'église de Christ n'a pas remplacé Israël comme on nous le fait comprendre, on nous l'enseigne de plus en plus. Non, l'église n'a pas remplacé Israël. D'accord. Physique. Voilà. Bah, merci bien, frère Chora, que le Seigneur te bénisse dans ta vie, toi et ta famille, que tu puisses continuer avec la force que Dieu te met tous les jours en toi. Merci frère. Bon courage. Gloire à Dieu, toute la gloire soit rendue au Seigneur, celui qui nous aide. Nous sommes à rien. Et c'est pour cela que nous lui donnons tous ces remerciements, parce que c'est lui qui mérite les offrandes de remerciement, parce que c'était une offrande, hein, l'offrande de remerciement. Donc on ne veut pas garder cette offrande-là, on la donne au Seigneur qui nous aide. Voilà, c'est lui qui mérite toute la gloire. Allô, voilà, bonsoir, je crois qu'on a quelqu'un d'autre en ligne. Voilà, c'était une très très bonne question que mon frère a posée. Et qui est juif aujourd'hui et d'où vient le nom de juif? Voilà. Que le Seigneur soit glorifié pour sa parole. Il nous donne des réponses appropriées. Voilà, au moment il faut, au moment opportun. C'est pour cela que nous ne pouvons que rendre gloire au Seigneur notre Dieu. Voilà. Et les autres nations qui embrassaient la foi juive, qui acceptaient la loi mosaïque, on ne les appelait pas juifs, mais on les appelait prosélytes. Voilà, prosélytes, les disciples des pharisiens, des scribes, où on les appelait encore, on les appelait aussi les craignants Dieu, hein, les craignants Dieu. Donc c'était des Grecs, des nations, des hommes et des femmes issus des nations. Voilà, on voit beaucoup ce terme-là, craignant Dieu. On voit beaucoup ce terme-là dans les Actes des apôtres. Nous avons quelqu'un d'autre en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur Chora. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, j'aimerais poser une question. Ok, frère. Bon, c'est au sujet du Fils de Dieu. D'accord. Jésus. Bon, moi, je comprends pas le côté père. En fait. Le côté père, je comprends pas. Et j'ai un verset qui me trouble un peu. On peut se tutoyer? Et le verset, c'est Jean 14, 8, 28, s'il vous plaît. Je ne comprends pas. Jésus dit, vous avez entendu que
je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je fais au Père, car le Père est plus grand que moi. Mm-hmm. Bon, là, je comprends pas. C'est normal, c'est simple à comprendre, mon frère. Je vais t'expliquer. Oui. Jésus a double, quand il était sur terre, il avait double nature. Oui. Il était 100% homme et 100% Dieu. Ouais. Tu vois, tu as vu qu'il y a des versets dans la Bible où l'on a adoré Jésus. Oui, ouais. Ok, et tu sais très bien que seul Dieu doit être adoré. Oui, évidemment. Jésus-Christ, homme, était juif. Et en tant que juif, il savait, il connaissait la Torah. Il connaissait cette parole de la Torah qui dit que tu n'adoreras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, dans Exode 20, Jésus connaissait cette loi. Mais il a laisser les gens l'adorer. C'est parce qu'il n'était pas seulement homme, mais il était aussi Dieu. Maintenant, et en tant que Dieu, Jésus-Christ a créé le monde. En tant que Dieu, Jésus-Christ a des anges. Il le dit lui-même. En tant que Dieu, il a été adoré. En tant que Dieu, il n'a pas d'égal. Hein, il n'y a aucun autre qui lui soit égal, parce qu'il est Dieu. Dieu est tout-puissant. Jésus-Christ est présenté comme le tout-puissant. C'est écrit dans l'Apocalypse. Ouais. Voilà. Maintenant, en tant qu'homme, bien sûr, en tant qu'homme, Jésus-Christ homme, il a eu, mes amis, il a connu de la fatigue, comme tous les hommes. Ouais. Parce que Jean 4 nous dit qu'il était fatigué du voyage, donc il a dû s'asseoir pour se reposer. Et il a eu faim. Il a mangé, il a pleuré, comme Jean 11 le dit, Jésus pleura. Il a été blessé physiquement, parce que c'est écrit, Esaïe le dit également. Donc, il a pris la forme humaine, une forme humaine soumise à Dieu. C'est pour cela, ici, Jésus-Christ qui parle, c'est c'est Yeshua, homme, Jésus-Christ, homme qui parle, parce que la parole nous dit justement dans le livre de Philippiens, il est dit, Philippiens chapitre 3, Philippiens chapitre 3, chapitre 2, pardon, verset 5, qu'il y ait donc en vous le même sentiment, qu'il y ait donc en vous le même sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel étant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une usurpation. Cependant, il s'est vidé de lui-même. Voilà. Ayant pris la forme d'esclave, fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en apparence comme un homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. Voilà, donc là c'est le côté humain. Donc c'est normal que le côté humain se substitue à la divinité. C'est normal. Ouais. Tu vois, et c'est pour cela que là il dit que le Père est plus grand que moi. Là, c'est l'homme qui parle, parce que l'homme Jésus était mort. Oui, oui, c'est vrai. Tu vois, donc or Dieu ne meurt pas. Il n'est pas mort en tant que Dieu. Il est mort en tant qu'homme. Ça nous paraît un peu bizarre, mais comment ça se fait? Tout ça là, ça peut choquer, ça peut paraître ambigu. Ça me fait flou. Ouais. Bien sûr, mais c'est la vérité, c'est la réalité. Regarde ce que Esaïe, chapitre 9, le verset 5 nous dit, le prophète Esaïe. Oui. Un enfant nous a né. Ah, ben tu connais cette parole. Ouais. Esaïe, chapitre 5, verset 9, verset 5. Et qu'est-ce que les Écritures nous disent? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller. C'est-à-dire l'admirable, c'est lui qui mérite l'admiration. Le conseiller, c'est-à-dire c'est le seul qui peut véritablement nous conseiller sans se tromper. Le Dieu puissant. Attends, c'est terrible. Oui, c'est terrible. Le Dieu puissant. Et on nous dit quoi encore? Le Père d'éternité. Ouais. Le prince de paix. Ouais. Donc on nous dit que cet enfant-là qui est né,
Rappelez-vous bien qu'en hébreu, il n'y a pas de passé ni futur, il n'y a que le présent continu. Donc voilà. Donc Ésaïe a vu cet enfant et il dit que cet enfant-là est fils aussi. Et on nous dit qu'il est l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père d'éternité, le Prince de paix. Alors, on va aller en hébreu, mes amis, s'il vous plaît, pour lire ce passage en hébreu. En bas, tout en bas, on clique dessus, merci. On va bouger un peu avec le. Voilà, donc on reprend. Merci pour votre compréhension, l'équipe, pour votre aide. Verset 5. Alors, on va vérifier l'hébreu. Voilà, là, c'est bon. On va cliquer dessus. Donc, un enfant, hein, donc Yeled, child, son, boy, pardon, boy. Voilà, donc ça c'est un enfant, on continue. Et donc, on va l'appeler, on continue. Encore. Voilà, donc. On va l'appeler son, fils. Donc, on continue. On continue. Donc là, on va lui donner l'empire, to give. Encore. Il sera, hein, to be. Non, on repart à droite. Voilà. On continue. Donc là, domination, gouvernement. Donc. Il est roi, voilà, tout simplement. Et on continue. Encore. On va l'appeler, hein, to call. Il sera appelé, son nom. Donc son nom sera appelé. Name. Wonder. Hein, ça c'est. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Wonder, force, puissance, tout ça là. Et. Gloire à Dieu. Conseiller. Elle. Elle ici, c'est le Dieu. Hein? God. C'est pas ici, c'est pas Elohim, c'est le Dieu au singulier. N'est-ce pas? C'est le singulier de Elohim. Hein? C'est elle. God. Voilà. Et on continue. Et là, c'est Mighty. C'est-à-dire Yahweh Jibor. Mais c'est terrible, mes amis. Hein? C'est écrit noir sur blanc. Le Dieu, le seul Dieu, Jibor, le seul Dieu strong, mighty, almighty God. Le Dieu tout-puissant, mighty. Mais c'est lui, Jésus. Ésaïe l'a écrit. Voilà, nous lisons l'hébreu ici, nous vous montrons les écritures en hébreu. On voit la source, mes amis. Et Ésaïe l'a proclamé 800 ans avant l'incarnation. Vous voyez la progression? On nous dit c'est un enfant, on nous dit ensuite c'est un fils, et on nous dit eh ben c'est le Dieu puissant, le Père d'éternité. Mais mes amis, on redescend. Ab, c'est le Père. Ab, c'est le Père. Ab, c'est le Père. Et Romain dit quoi? Romain dit quoi? On reste sur Ab là. Je vais vous lire hébreu, Romain. Alléluia Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons élever ta divinité, honorer ta divinité. Nous voulons te glorifier car tu es le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu glorieux. Voilà, regardez. Hébreu, dans l'hébreu ici nous dit que Jésus-Christ, on l'appelle Ab. Ab. Ab, l'hébreu Ab veut dire Père. 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 Allons rapidement dans Romains chapitre 8, verset 15. Tu peux lire, frère? Encore dans la crainte. Vous avez reçu
Mais vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Abba. Père. Ou Ab. C'est-à-dire Père. Ouais. Tu vois la révélation ici, mon frère? Oui. Est-ce que tu as compris quelque chose? Ouais, j'ai compris quelque chose. Mais ce qui m'étonne un peu, c'est que Dieu combat, je comprends pas. Dieu combat lui-même. Je comprends pas ça. Mais Dieu combat ses ennemis, oui, parce que c'est le Dieu guerrier en même temps. Oui, il combat parce que je comprends pas, il est le créateur, il est le Dieu suprême, il est puissant et il se met en combat. C'est ça, je comprends pas. Mais quand par exemple, le livre d'Ésaïe, chapitre... Ça, c'est une autre question. Alors, la première question est résolue. C'est bon, tu as compris. Oui, j'ai compris. C'est déjà l'essentiel. Ok, donc là, mes amis, vous qui nous suivez, vous voyez bien que Ésaïe 9 nous dit, 9:5, que Jésus-Christ, on va l'appeler Ab, c'est-à-dire Père, l'éternité, Ab. Et Paul nous dit ici que nous crions, quand on reçoit l'esprit d'adoption, quand on reçoit l'esprit de Jésus, ben on crie Abba Père, on crie Ab, comme Ésaïe le dit. Ab, c'est Jésus. Père, c'est Jésus. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mes amis. Jésus est Dieu. Jésus est le Père. N'en déplaise aux gens. Tant pis. Voilà, c'est la parole. Et maintenant, pourquoi Dieu va combattre? Eh bien, Dieu, parce qu'il est, il est Dieu, il est tout-puissant. Et mes amis, combat dans le sens où il va juger. C'est le jugement. Oui. Tout simplement. Amen. Amen, Dieu soit l'autre. Merci Frère Chora pour l'éclairage sur ce passage. C'est le Seigneur qui nous aide, frère. Que Dieu soit béni. Bon courage. Amen. Voilà, mes amis. Alors, une dernière question. Il reste encore 5 minutes. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu parce que je n'avais jamais vu les choses, je n'avais jamais fait cette corrélation, cette analogie entre Ésaïe chapitre 9, verset 5. Où comme on a lu en hébreu, on dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père d'éternité. Donc le Père, la Père, c'est Ab en hébreu, Ab. Hein, et dans le grec, c'est Abba. C'est ça. Père, c'est Ab en hébreu, et en grec, c'est Abba. Et on nous dit que Jésus-Christ est Abba, et Ab, c'est le Père. Et Paul nous dit ici que quand on reçoit l'esprit d'adoption, eh ben nous devenons ces enfants de Dieu et nous invoquons le Père. Et c'est Jésus-Christ le Père, mes amis. Voilà. Jésus-Christ en tant que Dieu, bien sûr. Pas en tant qu'homme. En tant qu'homme, il est homme, mais en tant que Dieu, il est Dieu. Donc il a deux natures, 100% homme et 100% Dieu. C'est un mystère, oui, mes amis. Et Dieu fait ce qu'il veut. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, Frère Chora. C'est Gypsy. Donc, j'appelle parce que j'ai une question aussi. Ouais, tu peux y aller? Vas-y. Ok. Donc, c'est par rapport au livre d'Enoch. Parce que je sais que c'est certainement que tu as peut-être déjà eu à avoir cette question-là. Tu en as certainement déjà dû te la poser. Ce que je voulais savoir un peu, c'est quoi ton approche par rapport à ce livre? Parce que en ce moment, personnellement, je reçois pas mal de questions des amis, des collègues, des frères, avec tous les mouvements de masse, surtout dans la communauté noire, tu vois un peu ce qui se passe. Il y a comme un engouement dans le panafricanisme et tout ça. Et du coup, on entend des histoires comme le canon biblique que nous on a, il est de l'Europe, en fait il est européen. Alors que quand on remarque ou on regarde le canon biblique éthiopien, il y a le livre d'Enoch dedans. Et qui n'a pas été inséré dans nos bibles actuelles. Donc moi, je voulais savoir un peu, c'est quoi ton approche par rapport à ce livre, si tu l'as déjà lu, et si tu le recommanderais, ou que tu éclaircisses un peu dessus, si tu as quelque chose à dire dessus. Ok, qu'est-ce que je pense du livre d'Enoch? Nous sommes dans Jude, chapitre 1er, il n'y en a qu'un.
le verset 14, c'est aussi pour eux. Je vais attendre que l'équipe soit dessus, comme ça tout le monde va pouvoir le lire en même temps que moi. Voilà, verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième homme après Adam, a prophétisé en disant, verset 15, « Voici, le Seigneur est venu avec ses saints qui sont par millions pour exercer un jugement contre tous les hommes et pour convaincre tous les impies d'entre eux de toutes leurs actions d'impiété qu'ils ont commises d'une manière impie et de toutes les paroles injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre lui. » Et voilà, donc Jude nous dit que Enoch, qui est le septième homme après Adam, a prophétisé sur le retour de Dieu sur terre, et le Messie, Yeshua. Et il a parlé également sur le jugement des nations, et, dont il est question dans Matthieu 25. Donc, Jude a parlé de cet homme, a parlé de ce prophète, Enoch, que le Seigneur a enlevé, selon les Écritures. Et il a marché avec le Seigneur pendant 300 ans, et Dieu l'a pris. Maintenant, il y a aussi un livre qu'on appelle le livre d'Enoch, qui circule, que l'on peut trouver ici et là. Je l'ai effectivement lu il y a quelques années de cela, parce que je voulais savoir un peu ce qu'elle en est et de quoi ça parlait. Et je me suis aperçu, j'ai compris en le lisant pourquoi ce livre n'a pas été inséré dans le canon biblique, c'est-à-dire dans les livres de la Bible tels que nous les connaissons aujourd'hui. C'est parce que dans ce livre d'Enoch, mon frère, Enoch enseigne, c'est Enoch, je ne pense pas que c'est le même dont parle Jude, parce que le livre d'Enoch dont il est question aujourd'hui est un livre qui nous dit, selon cet Enoch, que les anges, qui ont quitté leur demeure, et les fils de Dieu, de Genèse 6, qui ont quitté leur demeure pour avoir des rapports sexuels avec les filles d'Adam, littéralement c'est Adam qu'on a traduit par homme, ces fils de Dieu ont donné naissance, ces filles des hommes ou d'Adam, suite à ces relations sexuelles, ont donné naissance aux à des géants. Nephilim, aux tombés du ciel, aux géants. Et selon Enoch, ce sont les esprits de ces géants-là qui sont appelés aujourd'hui démons. Voilà, ça c'était la question subsidiaire. Est-ce que c'est eux qui sont considérés comme étant des démons? Non. Ou non, parce que sont ces anges déchus là? Parce que ce livre d'Enoch dit que ces anges, en fait, les anges qui sont tombés ont été enfermés et que les Néphilim, donc après la mort, donc après le déluge, c'est eux qui sont devenus aujourd'hui des démons. Voilà, donc c'est là que ça pose problème parce que les Écritures, notamment Apocalypse 12, nous apprend, à partir du verset 1er, qu'il y a eu une... on va le lire, d'ailleurs. Guerre dans le ciel, exactement. Voilà, donc, Apocalypse chapitre 12, et il est dit, au verset 3, « Et il parut aussi un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue, la queue du dragon, entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jeter sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui devait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. » Or, là, dans les Écritures, les étoiles représentent à la fois les messagers que Dieu envoie, selon Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 20, notamment les 7 étoiles qui sont les 7 messagers, donc les 7 anges que Dieu a envoyés. Les étoiles représentent aussi des chrétiens, tout simplement. 1 Corinthiens 15 nous dit que les étoiles, dans 1 Corinthiens 15, diffèrent en éclats. Hein, certaines étoiles diffèrent en éclats des autres. Et les étoiles représentent aussi des démons, selon Apocalypse 9. On nous dit qu'une étoile va tomber du ciel et on va lui donner la clé de l'abîme. Donc ce sont des démons. Et là, on nous dit que la queue du dragon, c'est-à-dire Satan, va entraîner dans sa rébellion un tiers d'étoiles. Donc, les anges, les fils de Dieu de Genèse 6 n'ont pas été jetés sur terre. Et Jude nous dit qu'ils ont eux-mêmes quitté leur demeure. Ils n'ont pas gardé leur origine, ils ont quitté leur demeure. Alors que les anges
que Satan a entraîné dans sa suite, hein, dans sa chute, pardon, qu'il a entraîné à sa suite, ces anges, ces étoiles-là, au verset 7 là-bas, on nous dit qu'il va y avoir une guerre entre Michaël et ses anges et Satan et ses anges. Donc on voit bien que ces étoiles-là sont des anges de Satan et qu'ils l'ont suivi volontairement et ils ne voulaient pas quitter le ciel. Parce qu'ils voulaient prendre la place du Seigneur. Et il y a eu la guerre entre ces anges et les anges de Dieu et ils n'ont pas été les vainqueurs, ils ont été précipités du ciel sur la terre. Le verset 9 nous dit « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Avec lui. Tu vois, frère ? Voilà. Donc, alors que Jude nous dit que les anges de Genèse 6 là-bas, les fils de Dieu, n'ont pas été précipités, eux-mêmes, ils ont quitté leur demeure. Donc, c'est pour cela que ce livre, le livre d'Enoch, que l'on connaît aujourd'hui, n'a pas été inséré, accepté par les pères de l'Église. Pourquoi ? Parce que son enseignement était en contradiction avec la doctrine apostolique, le fondement que les apôtres ont posé, selon Éphésiens 2, 20, où il est dit « Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. » D'accord, d'accord. Mais je ne vais pas retenir la ligne trop longtemps. Je vais juste poser la dernière question, et puis après, je vais couper, et puis tu pourras peut-être développer dessus. Alors, est-ce que c'est des questions que moi j'ai reçues aussi. Pourquoi est-ce que on reconnaît Enoch descendant voilà, avec Malaléel, les mecs et tout ça, donc on le cite dans la Bible, on arrive à parler de lui comme étant un homme qui a marché avec Dieu, et on arrive à mentionner, donc notamment Jude qui mentionne de lui une portion des Écritures, donc on reconnaît de ce fait-là qu'il a certainement eu des écrits qu'il a laissés. Alors, donc la question c'est celle-là, pourquoi est-ce que si lui qui a marché avec Dieu, donc on présume qu'il a marché avec Dieu, donc il a forcément reçu des révélations. Pourquoi est-ce qu'en marchant avec Dieu, il reçoit des Écritures et après qu'on se dise, ok, les Écritures qu'il a reçues, une partie était inspirée et l'autre non. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ce qui est dit, justement. On ne dit pas que le livre d'Enoch actuel est un livre inspiré en partie. Non, c'est pas ça. Ce qui est dit, ce qui est proposé, c'est que ce qui est supposé, c'est que le véritable livre d'Enoch dont Jude parle a disparu avec certaines épîtres, même de Paul, parce que Paul parle d'une épître qui devait venir de Laodicée pour être lue chez les Colossiens, hein, par les Colossiens. Donc Colossiens 4, 16, Paul en parle, 16 là-bas. Certains livres ont été perdus certains livres des rois, certains chroniques des rois. Donc, on peut le constater en lisant exactement. Voilà, donc maintenant on suppose aussi en même temps que Dieu, dans sa souveraineté, a conservé ces écrits que nous avons aujourd'hui sous la forme de ce livre qu'on appelle la Bible, parce que dedans il contient ce livre. L'essentiel de doctrine dont nous avons besoin pour être sauvés. Amen. Voilà, frère. Que Dieu soit béni en tout cas. Merci pour. C'est quoi ton prénom, c'est comment ? Bonne soirée. Que le Seigneur te garde, la famille et bien de choses à vous. C'est quoi ton prénom déjà, frère ? C'est Gypsy. Gypsy de Londres. Ah, mais Gypsy de Londres. Ouais, d'accord. Tu fais beaucoup de recherches, c'est bien. D'accord. En tout cas, ça fait plaisir de t'entendre, Gypsy. Salut ton épouse et. Il faut poser des questions comme ça. Alors je vous propose, vous tous qui aimez la parole, la vérité, je vous propose demain soir, mercredi, à 20h30, une émission où vous pouvez éventuellement poser toutes sortes de questions aussi. Je crois qu'on en a besoin en ce temps de la fin. Donc que Dieu soit béni, bonne continuation, bonne soirée. Adonai, notre Père et Céleste, nous te bénissons pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta parole qui nous guérit au nom de Yeshua. Amen.